Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi 19 mars 2020. On va voir une leçon de grammaire intitulée Le complément de temps. Donc, pendant ce cours, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'un complément de temps? Comment peut-on le trouver dans une phrase? Ou bien, quelle est la question posée pour relever le complément de temps? On va répondre à toutes ces questions. Commençons par cet exemple. Ce matin, Samy joue. Alors, ce matin, Samy joue. Lisez bien cette phrase. Quel est le sujet? Alors, on sait bien que Samy qui joue. Donc, le sujet, c'est Samy. Ensuite, le verbe. Samy fait quoi? La réponse, Samy joue. Donc, le verbe, c'est joue. C'est le verbe jouer, conjugué au présent. Bon, il reste ce matin. Regardez bien ce groupe nominal. Comme vous voyez, il nous indique des informations sur le temps du verbe. On dit que c'est le complément de temps. Et on pose la question pour trouver, c'est la question quand. Samy joue quand? Alors, la réponse, c'est ce matin. Si on supprime le complément dans cette phrase, le sens de la phrase reste le même. Il y a seulement moins d'informations sur l'action. Donc, on dit que le complément de temps peut être supprimé dans la phrase. Reprenons l'exemple précédent. On remarque que le complément de temps vient au début de la phrase. Alors, est-ce qu'on peut déplacer ce complément à la fin de la phrase? On va voir ça. Samy joue ce matin. À partir de cet exemple, est-ce que le sens de la phrase a changé? Bien sûr, non. Le sens de la phrase ne change pas. C'est-à-dire, il reste le même. Malgré qu'on a déplacé le complément de temps, ça ne change rien. On dit que le complément de temps peut être déplacé. Donc, le complément de temps nous indique des informations sur le temps du verbe. Il répond à la question quand. Le complément de temps peut être supprimé et déplacé également. Et voici des exercices à faire. Le premier exercice, soulignez le complément de temps dans les phrases suivantes. Hier, Selma a acheté un livre. Ils font du sport chaque jour. Je me réveille à 7 heures. En décembre, il fait froid. Alors, vous allez souligner le complément de temps dans chaque phrase. Passons à la question suivante. L'exercice numéro 2. Réécris chaque phrase après avoir déplacé le complément de temps. L'été dernier, tu étais à la plage. Je me lave les mains avant les repas. Demain, les enfants feront les devoirs. Alors, la première chose à faire, vous allez déplacer le complément de temps dans chaque phrase et vous allez les réécrire. D'accord? Vous allez les réécrire après avoir déplacé le complément de temps. Alors, c'est tout
pour aujourd'hui. J'espère que la leçon est claire. Merci pour votre attention et à bientôt.